Bon, Nefes, voilà, nous sommes de retour au village de Pascal, comme tu le voulais. Pourquoi voulais-tu parler à Pascal de A2? D'où tu penses qu'on pourrait avoir de bons renseignements? Je sais pas, DB, ça me semble la bonne solution, parce que Pascal connaît tout ici. Oui, allons voir. Pascal? J'avoue que j'hésite à transférer les données aussi confidentielles à une machine. Allez, vas-y, 2B, transfère, on verra bien. Bon, d'accord, c'est parce que c'est toi, 9. Hein. 9? Non, 9S, je veux dire, pardon. この映像というアンドロイドですが私たちの過去記録にもありますが危険なアンドロイドとして認識していますがこの村に直接来ることはありませんね。すみません。私の知っている情報はこのくらいです。そう。ありがとう。各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。 Tu as raison de B, mais j'ai vu qu'il y avait des machines qui étaient. Qui avaient besoin de notre aide ici, peut-être. Bon, bien, allons voir alors. Et j'aimerais bien en chercher à deux, moi. Bon, déjà. Petite sauvegarde. Ça ne fait jamais de mal. Et allons-nous. À nouveau. Nous ravitailler. Alors, acheter des soins, ouais. Ah, maintenant nous avons droit aux soins efficaces. On va en acheter une bonne vingtaine. On va augmenter jusqu'à 50 pour les soins moyens. Et les soins légers, jusqu'à 100. Voilà. Oh, bah alors. 16? Ah bon bah. Parfait. Pour ce qui est de vendre. Compétence accrue, je m'en fiche. Tout le reste je garde pour l'instant. Merci machine du magasin d'outils. Et voyons voir un peu le. Oui c'est ça bien sûr. Allez. Améliorer les armes, épée mécanique, hache mécanique et la lance mécanique a déjà été... Ah non, pas améliorée. Ben, je vais l'améliorer. Hache mécanique aussi. Ah, l'épée mécanique, il n'y a pas assez d'éléments. Bon, tant pis, clé cassée. Ça devrait se faire trouver sur des machines, n'est-ce pas machine? Oui, mais ce serait pas moi qu'il faudrait tuer. Ce serait plutôt les machines folles de la cité. Ouais. Allons voir un petit peu. En contrebas, il y a des gens qui ont besoin de nous ou pas? On dirait pas. Tout a l'air tranquille. Ah! Il y a un petit coffre, regarde ici. Hé hé! On avait un couple ici, je crois, ouais. Ils sont partis, je crois. On les a aidés. Bon, bah, allons voir un petit peu dans les. Oh, bah, quelqu'un qui est mort ici. Récupérons notre sœur. Ça nous fera quelques petits géants plus. Allez, viens, nos fesses. On va explorer un peu le village. Faisons le tour. Ah, c'est l'admiratrice de Jean-Paul. Vivi, vivi, vivi. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier au village en fait. On va retourner au camp de la résistance, ce sera plus simple. Je veux en savoir plus sur A2. Allez, 9S, transfert.
bien la musique du Pascal et du village. 9S. Nase A2 no jōhō Pascal ni kiita no? Shirebu ni kyōka naku kikai seimei tai ni access suru no wa suishō sarenai. Gomen nasai. Demo. Sōyū koukishin ōsei na tokoro wa kirai janai yo. Ah, nous avons reçu un message. Arigato. To be. Watashitachi no teki wa kikai seimei tai dakara. Sore o wasurenai de. Bien. Notification de mission. Opératrice 6O. Comme je l'ai dit lors des transmissions laser, le point d'accès au cœur de la cité des ruines ne marche pas correctement. Ses fonctions de chargement de données, son transporteur sont actuellement hors service. Vous pourriez vous rendre sur place pour vérifier ce qu'il en est dès que possible. Merci. Oui, avec plaisir. Récompense. Oui, tout ça. Bien, bien. Merci mille fois, d'avoir réparé ce point d'accès. C'est trop sympa. Bah, de rien. Les capacités de serveur. Les problèmes de capacité de serveur. Pff. N'importe quoi. Oh oh. Opérateur 6O yori 2B san ye. Teki renaku no jikan desu. Kochira 2B. Mondai nai. 2B san, kiite kudasai. Kyou, hana no gazou data o mite tan desu kedo. Hana? Eh. Bunker ni kiroku sarete ru sukunai shiryou no naka ni tsuki no namida tte iu hana ga atte. Kore カミカザリとかにしたらクールなトゥービーさんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずにおしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要ない。以上、オペレーター6Oでした。それでは。 Je voudrais bien te dire, Odebe, que tu es mignonne avec ce petit ruban bleu dans les cheveux. Je vois pas ce que tu veux dire. Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs. Ah, 2B, ka. Chōdo ii tokoro ni kita. Oui. Jisu wa, ware-ware Android-gun ga Taiheiyou ni tenkai shiteiru kūbo ga arun na ga, chika-jika, hokyū ni modotte kuru. Ware-ware Resistance mo, hokyū sakusen wo assisto suru. Kimi tachi ni mo, sono goei wo onegai shitai. Goei? Ah. 海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろん夜派部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。 Pourquoi pas? Je vais essayer, hein. En plus, ça permettrait de détruire des machines. Bon, allons voir un peu l'entrepôt là, j'ai envie de voir ce qui s'y passe. On est là pour se reposer un petit peu quand même, hein. Ils abusent de donner des missions en permanence. 9S, tu devrais savoir que c'est normal, nous sommes des androïdes de combat. Et toi tu es un scout. Bah. Ah bah voilà quand même. Vous lui aurez parlé, responsable ? Excusez-moi, ce serait pas votre fameuse boîte à musique par hasard? Ah mais oui, où l'avez-vous trouvée? Dans le parc d'attractions, à côté du cadavre d'une androïde. Elle lui appartenait peut-être. Oh! Était-elle... Écoutez... Bon ben, elle est très rongée par la rouille, mais j'aurais pu pouvoir la remettre en état, je pense. Bien sûr! Merci de m'avoir rapporté la boîte. Je vais pouvoir me reconcentrer sur mon travail. Et à compter de maintenant, vous serez toujours les bienvenus par ici. Eh ben. On m'a ouvert la porte, c'est très bien. Et on entend même la... La boîte à musique, c'est mignon. Quelqu'un qui a l'air d'avoir besoin de nous en bas. Ah, ah. Plus qu'un rapport avec ce qu'on cherche ici, regarde. Regarde, il y a quelque chose de gravé sur cette colonne. Trois nombres. Tu crois que ce sont des coordonnées, 2B? Une cible peut-être, ou une planque quelconque.
Ah, pas moyen de le savoir. J'annote la carte en tout cas. Ouais, bien. Disparition de la résistance. Ouais, c'est au début, c'est... on avait donné cette quête. Ah, tiens, un coffre. Oh, c'est mignon. Ah, tiens, on dirait que le monsieur il nous fait signe là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors que faire, mais comment je vais m'en tirer? Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Un problème? Je peux peut-être vous aider? Neuf fesses, voyons. Dites, vous êtes de la base, hein, c'est vrai? Il se trouve que j'ai des paquets à livrer, mais impossible de sortir du dépôt. L'un de mes supérieurs devait s'en charger, mais ça m'est retombé dessus. Il y a tellement de bazar qu'il n'arrive à rien. Je vais me faire remonter les bretelles, moi. Il faut que je sorte ces paquets de là. Vous pensez pouvoir me récupérer les paquets? On peut toujours accepter d'aider, hein. Excellent, mille fois merci. Bon, allons voir ces paquets. Ça a l'air d'une tâche vraiment triviale. Oui. Est-ce qu'on peut tirer les choses? Allez, pousse-toi. Non, on peut pas les tirer, on peut que les pousser. On dirait. On accède donc. Ah oui, donc on peut pousser de différentes façons. Est-ce que je vais passer par-dessus les caisses? Non, je pense pas. Si je veux accéder au trésor là-bas, de toute façon, je suis obligé de passer par là. Je pense qu'ici on peut pousser. Mais si on pousse là, on pourra pas pousser derrière. Donc non, négatif. Tout ça est très ennuyeux. Comment je vais pouvoir pousser ça, moi? Il faudrait que je puisse passer. Ouais, si je pousse là-bas, il faudrait que je pousse. En fait, cette caisse, la caisse ici, il faut que je la pousse. Je vais pas tirer, évidemment. C'est que du pousser. Essayons de tirer. Non, ça marche pas. Ouais, je suis obligé de faire ça de toute façon. J'ai pas trop le choix. Celle-là, faut la pousser au nord pour pouvoir passer de toute façon. Ou pas. Non. C'est ennuyeux tout ça. Ah oui, je suis bête. On peut passer par là. Pff, n'importe quoi. Alors vraiment. Celle-là, on va la pousser en fait. Tout à fait au fond. Allez. Voilà. Allez. Y'a rien de fait ça. Équilibré, voilà. T'es content? Voilà. Ok. Allez, on pousse. On l'a poussé totalement au nord là-bas. Ah, des petits jeux comme ça, on leur demande. Voilà. Bon, maintenant, si je pousse celui-là, il n'y a pas trop le choix. De toute façon, c'est pas trop difficile. Celui-là, je vais le pousser au fond, logiquement. Allez. Parfait, Nefes. Celui-là maintenant, je le pousse ici. Normalement, ça ouvre un chemin. Déjà avec le paquet qu'on devait récupérer. Voilà. On va chercher un peu le trésor qui est là. Quantité maximum. N'importe quoi. Là, pas besoin de pousser quoi que ce soit, je pense. Pourquoi on pousserait d'ailleurs? Allez hop. Allez. これで移送用の荷物は全部集まりましたね。
On n'a pas besoin de la pousser celle-là, je sais pas pourquoi on la pousserait d'ailleurs. C'était un piège, je pense. Allez. Proposition, sortir et livrer le tout au commanditaire. Allez, sortir. Hop. Allez. Vous avez tout récupéré, mais oh là là, vous m'avez sauvé la vie. Faudrait vraiment remettre un peu d'or dedans, on peut à peine y bouger. Ah sérieusement, il va falloir ranger tout ça, hein. Ah je sais, j'en parlerai à ma chef. En attendant, on va de quoi vous dédommager. Eh ben dites donc. Quête terminée. Cette belle musique. Bon, on a résolu cette affaire, on a une autre affaire en plus derrière. On a résolu deux affaires en fait, c'est très bien. Allez. Allez, on sort d'ici. La fesse et on va faire un petit tour. Déjà. Ce qui est bien, c'est que la musique s'accorde très bien entre le la boîte à musique et la musique du camp lui-même. Ça, j'adore. Sauvegarde pour être sûr d'avoir tout dans la boîte. J'ai cru voir quelque chose. Coranemon qui nous demande quelque chose ou... Voilà, une quête aussi là, regardez. Ah bonjour, vous tombez à pic. Ouais. J'ai un service à vous demander. De quoi s'agit-il? Nous comptons mener une expédition de reconnaissance dans la forêt. Ah. Avant notre départ, nous devons envoyer quelqu'un établir un campement. Vos ennemis sont coriaces et je perdrai nombre de bons soldats si nous tentions de les éliminer. Et vous deux semblez à la hauteur, donc... On prie, on doit aller dans les bois, éliminer les ennemis. Oui, en gros, c'est ça. Merci. Développement du camp qui est accepté. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Neufes? On va aider d'abord ou on va d'abord on va se faire un plaisir? Ah. Peut-être leur parler à eux, alors, aussi. Ah, ce visage, c'est merveilleux. Grâce à cette pièce, je vois enfin le monde. Maintenant que je suis devenu l'être le plus savant de l'univers, vas-y, demande-moi tout ce que tu veux. Ouais... Bah, j'ai rien demandé, en fait. Viens me poser des questions quand tu veux. Oui. Je vais pas aller voir aussi Engels. Je vais pas réparer, je sais plus. Ouais, on va aller voir, Nefes. J'ai envie de lui parler, il m'intrigue un peu. Absolument. Si commence à dire que c'est pas faux lui aussi. Bon, retourne voir Engels. Il est là, non? Ouais, il est là. Salut Engels. Ça fait longtemps, hein? Pourquoi c'est pas vu? Il y a une machine là aussi qui tourne dans tous les sens. Alors je lui pose la question un de ces jours. Allez, hop. Bonjour, Android. Je n'ai rien à faire, racontez-moi une histoire. Quoi? On va pas pouvoir te raconter grand-chose, la plupart de nos données sont confidentielles. Racontez-moi le passé alors. Décrivez-moi cette cité telle qu'elle était autrefois. Alors, on peut toujours essayer. Cette ville abritait autrefois un grand nombre d'humains. Une multitude innombrable. On peut dire ça, tu te souviens pas de les en avoir chassés? Il n'y avait déjà plus d'humains au moment de ma fabrication. Je n'ai connu que des ruines et des androïdes. C'est pas pour autant qu'on te pardonnera tes péchés commis par les tiens. Hein. Les formes de vie mécaniques ne comprennent pas la notion de péché. Allons-y, de B. Bonne idée. Bon, il est marrant quand même. Je le trouve amusant, moi, Engels. Ah oui, mais non, 2B, voyons.
Il a commis des atrocités quand même, hein. C'est pas pour ça que je lui jetterai la pierre. Il a fait son travail. Les personnes qu'il faut châtier, c'est les personnes qui l'ont programmé. Mais les intérêts sont morts depuis longtemps, Debé. Vous voyez, c'est pour ça que tout m'a l'air un peu vain maintenant. Enfin bon. Faut débarrasser au moins la Terre de la planète, enfin de la... des machines. Pour qu'on puisse faire revenir les humains. À ce propos, Debé, j'ai l'impression que les humains, pas très très... ils parlent pas beaucoup à nous autres androïdes, leurs serviteurs. C'est pas un peu le snobisme? Je sais pas. Je m'en fiche. Je travaille, c'est tout. Alors retour. Ouais. Donc on va dans la forêt? Ben oui, on va essayer de nettoyer la forêt pour Anémone. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous, vous? Oh! Dites, vous appartenez au groupe Yura, non? écoutez, je m'excuse de vous demander ça à l'improviste, mais si vous pourriez pas m'aider, j'ai une urgence sur les bras. Des machines se seraient emparées de plus de fonctionnalités, et ces données sont extrêmement confidentielles. Si l'ennemi réalise la valeur de son butin, on va avoir de sérieux ennuis. Vous devez absolument m'aider à récupérer ces puces. Comment elles ont pu tomber entre leurs mains? Vous avez été un petit peu négligent, monsieur? De B, laisse tomber. Allez, aidons-le. Ouais, d'accord, c'est pour faire plaisir, Neuf, alors. Tu m'as encore appelé, Neuf. Merci, hein, bon, d'accord. Alors, il faut récupérer 3 puces de fonctionnalité. Je vais vous transmettre les coordonnées et les codes de leurs signaux. Ça vous permettra de les localiser facilement. Elles se trouvent toutes dans cette ville. Avec un peu de chance, ça ne vous prendra pas longtemps. Ouais. Eh ben, moi qui voulais partir pour la forêt, c'est un peu raté. On a un petit peu de temps devant nous ou c'est vraiment urgent là? D'accord, donc c'est par là-bas. On va essayer. Signal de plein de machines sur le scanner. Ça va pas être facile, je le sens. Voilà, on les attire. Venez par ici. Elles sont un peu différentes, elles sont rouges celles-là. Hein. On dirait que c'est d'autres types de fabrication. Un tout autre type. Bizarre. On va les laisser venir jusqu'à nous en fait. On va réparer. Cette chère sœur. Ils sont là, regarde, on les voit. Ah, ce sont des machines de destruction. Il y en a encore une ici. Ouais, pas la peine d'essayer de frapper au contact. Hein. Ah, elle est là, c'est bon. Oh! Wow! Eh bah, c'est parfait! Ça commence bien! Ça t'apprendra à me frapper, machine de. Hein? Tiens. Encore un corps. On va le récupérer. Et beaucoup de nos sœurs sont tombées ici. Je n'aime pas ça. Ah, par ici. Oh, regarde encore. Ils sont encore là, hein. Ah, excuse-moi, le cerf, pas la peine d'attaquer.
l'ai pas trouvé dans les environs au moment où je me suis trouvé. Eh oh 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 oh, calme-toi. Calme-toi. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui fait de la musique là, écoute. Qu'est-ce que c'est que ça là, regarde. On le sert, c'est gentil, mais tu t'en vas, hein. Ça suffit, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh mais ça ressemble à la tête qu'on avait dans la machine qui nous a mené à la forêt. Aïe 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 ! Ah, vous êtes celui de l'autre jour ! Non, pas du tout. Désolé d'avoir pris la fuite la dernière fois. Je m'appelle Emile. Comme vous pouvez le voir, je tiens un magasin. N'hésitez pas, si vous souhaitez jeter un coup d'œil à ma marchandise. D'accord. Il y a des belles choses, hein. Et j'ai pas encore la place pour les mettre, je pense, à mon avis. Ouais. Ça pour une autre fois. La vitesse de déplacement, celle-là, ça m'intéresse. Allez, hop, on va l'acheter. Au plus tard. J'espère avoir la chance de vous servir à nouveau. Ouais. Pardon, vous souhaitez savoir où je vis? Non, j'ai pas posé cette question du tout. Eh bien, je vis sous terre, dans les profondeurs. Imaginez un lieu incroyablement abyssal. N'hésitez pas à venir m'y rendre visite. ouais. Bon. Eh ben, on va récupérer nos puces, non? Ah, il nous a vu celui-là. La lance est parfaite pour ce genre de combat à terre. J'adore. Tiens, il y a quelque chose ici aussi. Par là-bas. En haut sur le toit, je pense. Bon, cette musique est absolument impossible à écouter. Sur le toit, je pense qu'on peut essayer de trouver ce qui nous manque. Je pense que ça c'est la bonne... Non, c'est pas ici qu'il faut faire pour se monter, quoique. On va voir. Non, c'est pas ici qu'il faut monter. Plutôt par là, je pense. Ouais, peut-être ici. Ah! Elle vient de fesses. Ah bah d'accord. Non, mais il veut pas par ici non plus. S'ils en repartent ici, ça va être possible, je pense. Merde, hop, 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 et voilà, tu vois. Oh. Wow. Petit salopio, tiens. Je veux voir ce qui en coûte de frapper une androïde. Yora, de ma classe. Oups, je suis tombé. Pas grave. On peut remonter avec l'échelle, c'est parfait. Allez, 29 FPS, venons les achever parce que ça commence à m'inquiéter ça. Ah bah, y'a pas de raccord. L'échelle marche pas. Non. Oh, il est où? Il est là. Voilà, détruit! Petite machine. Plugin chip.
Ah bon ? Yorhab Tain, senior chip. Ça me dit rien qui vaille. Bon, troisième puce. Dis-nous où c'est, Pod. Pardon, il y a du monde encore ? Voilà. Alors. Où est la troisième puce ? On est là. Ça, c'est pour aller aider, je suppose, pour les missiles. Ouais. Ou pas, d'ailleurs. Voilà, c'est ici, je crois. Récupération d'infos confidentielles, d'accord. Donc, c'est un peu plus loin. On va transférer, tiens, pour la peine, pour aller plus vite. Et voilà. Transfert. Eh ben, usine, on y va. Mon cher de fesses, il est maintenant possible que nous ayons énormément à faire. Ouh. Énormément à faire. Ouf, ouf, ouf. Il est encore là-bas, Emile. Il passe ses journées à voyager pour vendre, mais à qui ? On demande bien. Aux machines, peut-être. Ah, imagine, ils nous ont vu la variante. Ah, mais ça va pas, non ? Voilà, bah tu vois quand tu veux. Tu exploses bien. Bon. Maintenant, la puce. Oh, les machines sont à l'intérieur, elles ont l'air bizarres. Je sais pas si t'as vu. On va peut-être changer de programme de pod. Ou pas. Est-ce qu'on peut ou pas ? Ouais, missile. Voilà, parfait. Missile, c'est très bien. Faisons-les venir lentement. J'aime pas leur bouclier avec des espèces de... de choses qui brillent. Hein. Au moins les missiles ont ôté cette fonctionnalité. Ah bah c'est parfait. Allez. Et... bon. Et... hop. Pauvre machine. Ah c'est celle-là qui a la puce. Celle qui est juste là. Ah non, c'est pas elle. Qui est au fond là-bas. Pas qu'elle tombe, pas qu'elle tombe. Voilà, ici c'est bien. Puis fonctionnalité obtenue. Kekai-renaku. Gensai, Haikyotoshikure, Yorhab-Tain, Yukue-Fumei-Ninata.
機密情報が入ったプラグインチップを持っているため捜索している。詳細な情報を収集するように。了解。C'est ce qu'on vient de... C'est ce qu'on vient de découvrir, là, non ? Enfin, bon. Bon. Peut-être retourner voir cet homme. Au niveau du camp de la résistance. À sauvegarder rapidement. Et on va se transférer. En effet, c'est pas un peu bizarre cette histoire? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, allons au camp. On verra bien. Ça m'intrigue quand même, hein? Toutes ces possibilités qui s'ouvrent devant moi. Avec A2 qui dit que le centre nous ment, ou nous trompe en tout cas, nous trahit. De quelle manière? Alors le joueur se dit que c'est parce que les humains ont disparu et qu'on nous entretient dans une guerre éternelle. Mais bon, ça c'est le joueur ça. On va voir bien ce qu'il en est. Et après on ira dans la forêt. Ah, encore ! Mais calmez-vous quoi ! Vous devriez vous enfuir quand vous nous voyez. Il vole maintenant ? Parce que je l'ai pas vu moi. Bon, ici c'est pour aider la résistance. Voyons un petit peu les quêtes pour ça. Alors examine machine 2. Développement du camp, la disparition de la résistance. Ah oui, il y a les coordonnées à vérifier aussi. Réparation, le couple errant, récupération d'infos confidentielles, remettez les puces fonctionnalités à la résistance. D'accord. On peut aller les remettre à quelqu'un là ou pas? Je comprends plus là. On va aller voir par là-bas. Si on retrouve l'homme. T2H, tu m'impressionnes pas toi, T2H. Voilà. Non mais oh. Ici, il y a le... Oui. Il y a le clown avec son... Avec son défilé. Continuons à visiter un peu. Les machines sont pénibles quand même. Par contre, c'était où celui qui nous avait demandé la quête? Plutôt vers l'intérieur en fait alors. Bon allez, baladons-nous un petit peu, ça nous fera du bien. Tuons quelques machines. Ça nous fera toujours des sous, hein. Pour l'instant, tout est calme ici. Voilà qu'on a récupéré une des pièces. Ah oui, c'est par là-bas. Voilà, je me souviens maintenant.
Hé, ma lance. Je me lance, moi. Je veux ma lance. Voilà. Jamais sans ma lance. C'est par ici qu'il était l'homme de la résistance. Encore deux autres machines. Il était par là, je crois. Sur un de ces... Voilà, il était là. Dans une cabane au-dessus, là. On va monter ici. Hop. On va aller les rendre. Et voilà. Oh, merci, vous me sauvez vraiment la mie sur ce coup-là. Allez, donnez-moi vite les puces. Les voici. Merci, je sais pas, c'est pas grand-chose, mais acceptez ceci, j'insiste. Waouh, tout ça. Eh ben... Vous avez récupéré un programme de pod à 140 gravité. Ça me rassure vraiment de savoir que je peux compter sur vous. À nos prochaines rencontres, hein, je vous présenterai ma famille. Famille? Mais vous êtes un androïde. Enfin bon. Je suis curieux de voir la mise à jour de la quête. Récupération d'infos confidentielles. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut escorter du défilé, ça. Je m'en fiche, j'ai moins de machine, c'est bon. On va aller dans la forêt pour détruire toutes les machines. Il y a quelque chose là-bas qui vole. Ah oui, c'est la fameuse machine. Mais cet Emile est bizarre vraiment. Ça me dit quelque chose en plus, Emile. On va aller faire un petit tour du côté à nouveau d'Engels, qui a l'air à nouveau bien disposé à parler. On va voir. Il y a du monde derrière nous. Bonjour. Mais si tu te mets à esquiver toutes les attaques, c'est pas bon ça. Ah ouais. Ah, il va très très vite, en effet. Merci pour votre précédente visite. Comment vas-tu, Engels? Je fais aller comme le veut l'expression. Quelle expression? Je me suis occupé en m'intéressant aux archives sur l'humanité. Ça m'a conduit à une question. On t'écoute? Qu'est-ce que la nuit? Ah, la nuit. Tu dois parler de l'antique cycle de lumière et de ténèbres. Les archives en parlent, n'est-ce pas? Le soleil ne quitte plus jamais le ciel de nos jours, mais disparaît autrefois à l'horizon... 1, 2, 3. Le soleil ne quitte plus jamais le ciel de nos jours, mais disparaissait autrefois à l'horizon et ne réapparaissait que des heures plus tard. Pour se rendre compte de ce que ça faisait, il faut jeter un coup d'œil par les hublots de la base. On en apprend tous les jours. J'aimerais voir les étoiles un jour. Ouais. Conversation limitée, mais intéressante. En direction de la forêt, là. Ah, je crois que la forêt, ça va être... bien intéressant que ces petites machines, là. Mes algorithmes de combat pensent que je vais m'ennuyer à rester ici. Bah alors? Bah Mimi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris un sale coup, on dirait. La forêt, c'est pas par ici, de B. Ah bon? Mince. Qu'est-ce qu'elle veut, cette machine? Hé, hey, vous là, vous vivez chaque jour à fond sur le vide du rasoir. La vie n'est qu'un instant fugace. À nous de voler droit comme une flèche pour ne jamais nous égarer. Allez, découvrons lequel d'entre nous est le plus rapide. Ayez foi en vous. Saisissez votre avenir à bras le corps. Ignorez le défi. J'ai pas le temps à perdre, moi. Bon, allez, 9S, direction forêt. Et on va transférer dans la forêt, tiens. Ça sera plus simple. Allez, petite sauvegarde. Et on se transfère de B.
9S, pardon. Forêt centre, forêt château façade, forêt centre, on va prendre. A tout de suite, 9S. Le voyage ne prend qu'une seconde.